amis. Bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai semé un peu de pois. Là j'avance mes semis de pois parce que là je suis en serre. Et on est dans les Hauts-de-France. Hein, complètement tout en haut. Donc en serre, on peut commencer. En serre, en tunnel, en châssis, pour du pois, c'est pas terrible. Non, c'est pas top. Pour ceux qui n'ont pas de serre, bah attendez. J'irai début mars. Hein. Début mars c'est bien. À savoir qu'un pois ça résiste quand même aux températures négatives. Aux températures froides, oui. Ça ne crée pas le froid. Hein. Mm. Bah, ça, il y a des limites. Faut quand pas même, que ça gèle non plus, évidemment. Hein, si vous habitez en Sibérie, vous ne savez pas le problème. Donc voilà. Donc avant de semer, il faut déjà préparer son sol pour semer, parce que c'est de la grosse graine quand même. Donc il faut un sol assez meuble. Vous n'allez pas semer ça dans une terre compactée et trempée. Parce que le pois, ils vont pourrir. Donc là, le sol là, est pas mal. Là, ici, c'est beaucoup de compost, j'ai remonté un peu de sol. Et puis, tous les fonds de pots de terreau. Allez hop, tout dedans. Les vieilles plantes, les qu'il y avait sur la terrasse, c'est parti là-dedans. Oui. Donc c'est pas mal. Pour faire un bon semis. Voilà, donc il y a pois ridé, pois lisse. Le pois lisse, souvent, ça se met en premier. Mais j'ai toujours réussi à faire mes pois ridés en les semant très tôt en saison. Donc là, je vais chercher mes graines solo. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est un sillon qui fait 5 ou 6 mètres de profondeur. En dessous, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que c'est des grosses graines. Et quand elles vont commencer à gonfler, le fait qu'ils ne sont pas assez enfoncés, ben, ils vont sortir de terre. Ah. C'est pas bon. D'accord, voilà. Tu vas nous montrer ça, Jaco. 5 cm. Et je vais encore vous expliquer un truc quand on va les, si vous les faites en poquet. Si vous voulez les faire en godet, c'est possible aussi. Vous pouvez commencer maintenant, vous les faites en godet pour les serres, hein, pas pour l'extérieur, toujours pour les serres. Toujours pour les serres là. Hein. Ouais. Donc, en godet, vous prenez, le mieux c'est godet de 9, hein, un pot de 9 ou des pots de 10, vous avez des pots carrés ou ronds ou ovales, ce que vous avez. Et par godet, vous mettez entre 8 et 9 graines. Je sais, ça fait beaucoup, ça va vous paraître énorme, mais vous verrez quand ça va sortir, ça va faire des beaux pieds, des bien droits, qui vont bien se tenir. Que si vous en mettez 3-4 et vous faites des trucs tout ridicules, ça vous prend une place énorme. Donc là, je vais tracer le sillon. Ah oui, ça fait moche. Oui, avec le manche des outils. Hein. Allez hop, voilà. Ça va très bien. Vous allez me dire, c'est près de la bâche, oui. C'est près de la bâche. C'est voulu, hein. C'est voulu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en serre, même les pois nains, ils vont monter assez haut. Là, j'ai pris des 40 cm, je vais vous faire voir. Je m'attends à les avoir à 70-80. Mmh. Au moins. Au moins, hein. Ouais. Ça fait beaucoup de volume en serre, c'est normal, il fait plus chaud. C'est comme les haricots, hein, ça avait fait beaucoup de volume. Hein. Ah ouais, c'était vrai. Impressionnant les haricots l'année dernière. Qu'est-ce qu'on avait récolté? Ouais, il a envahi. Oh là là. Oh. On a été surpris quand même. Hein. Ouais. Voilà, un beau sillon, bien voilà. Droit. Bien droit sans cordeau. Bien sûr, vous mettez un cordeau hein, si vous n'avez pas trop l'habitude, faut pas hésiter. Hein. Ouais. Voilà. Ah, je disais au moins 5 cm. Vous n'avez pas mesuré. Non. Voilà. Alors, moi j'ai pris des merveilles de Quelvedon. C'est une variété précoce. Parce que il faut qu'il nous libère la place assez vite. Voilà. Il va y avoir des tomates qui vont suivre. Donc en mettant du pot, je n'aurai pas d'azote dans le sol. Ah. Faut tout calculer. Voilà. Ça va être précoce, très productif. La hauteur 40 cm. Oui, bah oui. 40 en serre, mais je compte 70-80, voilà. Le double. Voilà. Pour sortir les graines, vous n'ouvrez pas qui ? Non. Ouais. C'est mieux quand même, à Jaco. C'est mieux. On va montrer comment c'est à faire rider. Pour rider, c'est voilà. Ridés. Voilà. Alors donc vous avez plusieurs façons de semer
dans le sillon. Vous pouvez faire des poquets de 5-6 graines. Voilà, poquets de 5-6 graines, vous faites ça. Voilà, tous les 20-25 cm, vous mettez un poquet de 5-6 graines. Tous les 20-25 cm, voilà. 6 graines. Ok. Voilà. Par contre, il reste que de remonter. Oui. Parce que là, ils vont gonfler ensemble. Ensemble. Et donc, ça après, va il faire. Reste à... remonter quand même. Mm-hmm. Donc, une petite astuce. Avec là, le point. Hein. Hop, vous enfoncez un peu. Comme ça. D'accord. Là, vous êtes tranquille, ils ne vont pas remonter. Ok. Puis si ça remonte, les pigeons. Oui, bah là, dans la serre. Miam. Mais bon. Voilà. Mais moi, là, ici, je vais les semer. Dru, en ligne dru. Ok. Voilà. Il y en a qui mettent un poids tous les 5 cm. Moi, je ne m'emmerde pas avec ça. Oui, là, ça je sème dru. Je vais les jeter à la pelle si je peux. Non, pas à la pelle. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Le sillon est parsemé. Parsemé de belles graines. Voilà. Et un truc que vous pouvez faire aussi, c'est les faire tremper toute une nuit pour les faire gonfler, pour casser la cause, parce que la cause des graines, elle est assez dure. Mm-hmm. Par contre, vous ne faites pas ça que des haricots. Les haricots, ça fait des faire pourrir. Donc on ne fait pas tremper des graines d'haricots. Ça, on peut faire qu'avec les petits pots. Les petits pots, c'est bien. Ok. Donc voilà. Donc, bah, maintenant, il faut couvrir. Hein, alors, couvrir on ça. Prend le râteau. C'est mieux. Et vous avez mis avec le bout du râteau. Ouais, je lui dis qu'il faut un terrain assez meuble pour pouvoir bien travailler comme ça. Mm-hmm. Oui. Parce que sinon. Sinon c'est pas possible. Hein. Ah, c'est galère. C'est ingérable. On te laisse finir ? Oui. Donc voilà, donc après avoir bien recouvré, couvert les graines, damé pour pas que. Ça remonte. Ça remonte. Après ça, qu'est-ce qu'on fait toujours ? Ah bah un petit coup d'arrosage. Hein. Toujours, il faut toujours arroser. Il faut toujours arroser un semis pour que. Enfin, déjà, ça, la terre va se coller aux graines, ça chasse l'air. Puis voilà. Bon, puis le poids, il faut l'arroser de rue, hein. Bien l'arroser. Bien l'arroser. Voilà, il faut que ça gonfle et puis que. Faites à germer, comme si on les avait fait tremper. Quoi. Et toujours avec la pomme d'arrosoir douce. Hein. Et je fais ça, c'est pour pas, déjà, ça fait pas de trou, mm-hmm. Ça ne plaque pas la terre. Là, c'est en douceur. Voilà. Et, n'hésitez pas, bien tremper. Quoi. Bien sûr, si là, il fait moins 2, moins 3, moins 4. Ah non, on n'arrose pas. Hein. Ça va pas ça, vous faites comme les salades, quand il fait 4-5 degrés. Voilà. Hein, vous pouvez y aller. Bon, je vais tout arroser. Non, parce qu'on va faire autre chose, Jaco. Maintenant, ce qu'il faut, c'est couvrir avec un voile. Mm-hmm. Je pourrais laisser comme ça. Ça va pousser quand même, mais ça va être plus long. Hein. Donc là, le but, comme je disais, c'est d'avoir une culture qui va vite. Parce qu'après, ça va être remplacé. Surtout quand on a un petit jardin. Hein. Ça, il va y avoir un voile double dessus pour le pousser à la levée. On montrera après. On montrera après, ça sera fini. Hein. Et puis, une bonne culture associée avec ça, c'est la pomme de terre. Alors pareil, si vous, en serre, si vous avez des pommes de terre qui est germée, vous pouvez la mettre protégée, comme de la paille ou un voile, ce que vous avez. Voilà. Bon, je continue. Bon, voilà, une belle petite couverture pour l'hiver. Hein. Mm-hmm. Ah, j'ai pas mis d'oreille, hein. J'ai mis juste... Juste la couverture, en double. Voilà, prochaine étape, ça sera de mettre un filet, un grillage, n'importe quoi, pour que ça tienne dessus. Que le poids, si on le tient pas, il va tomber. Il va baler, ouais. Et là, bah, c'est pas bon, ça pourrit, ça jaunit. Voilà, donc après, je mettrai un filet à ramer, que j'utilise quand d'habitude en plastique. Hein. Quand ça aura commencé à lever. Voilà. Mais donc, je vous disais, si vous voulez commencer à engouder, c'est possible. Enfin, dans la serre... pour mettre en serre, c'est pas la peine quoi. Si vous pourriez mettre en goudet dans la serre, vous pouvez mettre la peine terre dans la serre. Voilà. Là, si vous mettez en goudet, n'hésitez pas, 8-9 graines par goudet de 9. 9 ou 10. Hein. Plus vous mettrez de graines, plus la touffe va se tenir. Et puis plus ça sera productif. Si vous n'en mettez pas assez, quand vous allez les repiquer,
piquer en pleine terre, ça vous fait un ça truc. Ça va faire un truc par-ci par-là. Touchétif. Ouais. Donc voilà, c'est parti pour le chemin de peau. On est bon, Jaco? Donc là, je pense récolter en mai. En principe, oui. En mai, ça, je récolte, comme ça, après, j'enlève les plantations de tomates. Voilà. Donc, bonne culture associée avec le pois, la pomme de terre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette culture. On vous dit à très très bientôt. À bientôt et surtout, bien humide, toujours garder bien humide. Bon jardinage à tous. À bientôt.